LucasArts Aspire. Attention, facteur potentiel de photosensibilité. Veuillez lire avant de commencer à jouer. S'il vous plaît, merci d'avance. Star Wars Bounty Hunter, salut à tous, c'est moi, Dark Revor. Et bienvenue sur Star Wars Bounty Hunter en version PS5, tournant actuellement sur PS5. Sorti, comme vous pouvez le voir marqué en dessous, en 2002. Ressorti donc cette année en 2024, voilà, sur PS5 et Switch et Xbox Series aussi, je crois, s'il n'était pas déjà dispo en rétrocompatibilité. Enfin bref. Ah, le trailer. Je vous laisse en immersion totale. Donc, je disais, Star Wars Bounty Hunter, développé et édité à l'époque, donc sorti en 2002 sur GameCube, développé et édité par LucasArts et Pandemic, comme tous les jeux Star Wars à l'époque de George Lucas, hein, une époque civilisée, comme dirait un grand Jedi extrêmement sage. Enfin bref, ouais, vous avez compris. Après mes quelques let's play sur le très décevant Star Wars Outlaws au niveau du gameplay, très sympathique et touchant au niveau du scénario, magnifique graphiquement et au niveau de l'open world, mais très décevant au niveau du gameplay, de l'infiltration obligatoire et forcée sans même pouvoir sortir le blaster. Enfin bref, vous avez compris. Et bien du coup maintenant, on s'attaque à ce jeu Star Wars bien plus ancien et bien plus incroyable, pour reprendre la phrase du chancelier Palpatine parlant au général Grievous, je veux dire. Enfin bref, ouais, bref, vous avez compris, Star Wars Bounty Hunter, où on incarne, bah, vous l'aurez compris, le célèbre chasseur de primes et archétype des clones, Jango Fett. Donc un chasseur de primes mandalorien, dans une armure mandalorienne, avec un charisme de mandalorien hyper classe. Enfin bref. Bon, alors du coup, donc ça, ok. Ah oui, d'accord, faut que je passe toutes les pages. Ah oui, sinon je peux pas appuyer sur OK. Bon, d'accord, alors OK, voilà. Alors, on va juste regarder, comme d'habitude, hein, vous savez, les options, voilà, parce que moi, je suis maniaque, voilà. Option audio, musique, au maximum. Effet, au maximum. Dialogue, au maximum. Et cinématique, au maximum, parce que, en plus, je ne parlerai pas, bien évidemment, pendant les cinématiques ou quand ça parle. Je veux que vous soyez en immersion totale le plus possible, au maximum. Jouabilité, alors français, sous-titres, alors oui ou cas où, vu qu'il y a quand même des races aliens dans le jeu, bah oui, c'est Star Wars, c'est normal. Voilà, donc, ok. Donc ça, ouais, voilà, c'est bon. Affichage, ok. Voilà, tout est ok, c'est bon, on est parti, allez hop, jouez. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, dans une galaxie fort, fort lointain. Star Wars! Et oui, il y a la musique, c'est pas grave, la vidéo sera démonétisée, de toute façon je ne gagne pas d'argent avec ma chaîne YouTube et je ne le fais pas pour ça, je le fais pour la passion. La passion, c'est l'amour. La République Galactique est en péril depuis... Alors attendez, Bounty Hunter, la République Galactique est en péril depuis la bataille de Naboo, le désordre et la corruption règnent en maître dans la galaxie. Un culte mystérieux et très dangereux, le Bando Gora tente de profiter de cette situation chaotique en s'attaquant aux plus grandes industries de la galaxie. Ces récents développements menacent les terribles plans de Dark Sidious, alias le chancelier Palpatine. Il demande à son nouvel apprenti d'intervenir, le Comte Dooku, alias Dark Tyrannus. Ancien apprenti de Maître Yoda et ancien maître de Qui-Gon Jinn.
Et maintenant, je vous laisse en immersion totale. Je vais désactiver mon micro pour que vous puissiez profiter de ce jeu vidéo. Attention, immersion totale, réalisme maximum. Coupé! Maître. Seigneur Tyrannus, un problème urgent m'oblige à interrompre votre entraînement. Le Bandogora est devenu un dangereux parasite. Il faut l'éradiquer. Il me semble que vous avez déjà eu l'occasion d'éliminer leur chef. Pourquoi ne pas l'avoir fait ? C'était une expérience. L'expérience a échoué. Ce Jedi déchu n'a pas sa place dans ma vision du futur. Vous allez devoir corriger votre erreur. Bien, maître. Et où en sont vos plans, une armée de clones ? Nos cloneurs ont besoin d'un hôte. À vous de trouver ce spécimen. Cherchez du côté des mercenaires les plus dangereux de la galaxie. Je pourrais peut-être essayer de faire d'une pierre deux coups, maître. Bien, bien. Je suis impatient d'achever votre entraînement, mon ami. On n'avait pas assisté à un combat aussi brutal sur cette station depuis très longtemps. Le cruel Borex s'est avéré un formidable adversaire. Quel que soit son propriétaire, il doit être ravi. Le champion de Rosata va-t-il finalement être vaincu ce soir? Bon sang, Django, où es-tu? Le champion a des ennuis. Et encore un! Le Challenger l'emporte! Oh, quel chance! C'est quoi ça? Pas mal! Mort ou vif, Nico. Il a une télécommande. Il triche. Et là. Mais d'abord, va falloir lui passer sur le crâne. Alors du coup, chapitre 1, mort ou vif, Miko, la reine de combat, tout ce que la galaxie compte de contrebandiers et de mercenaires, se cache dans la station Outland, un minable astroport situé loin du regard des autorités. Rosata, la toïdarienne excentrique qui dirige la station, propose à ses infâmes invités des divertissements très prisés par la pègre, les combats de bêtes. Et nous allons commencer par affronter Borek, le champion de cette station, et dirigé par commande par le criminel Miko. Le premier criminel qu'on va traquer, du coup, dans le jeu Bounty Hunter, qui veut littéralement dire chasseur de primes, parce que vous l'aurez compris, Star Wars Bounty Hunter, et ben en fait, c'était justement littéralement, on va dire, un pré-Star Wars Outlaws, parce qu'on incarne et on fait littéralement la même chose que dans Outlaws, mais en mieux, évidemment en plus sympa, en moins frustrant, on incarne un chasseur de primes et on traque des criminels. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti! Ah, ça n'était pas prévu, mais nous avons un nouveau challenger! On applaudit le chasseur de primes! Thank you.
Alors du coup, bon, alors c'est dommage, mais on a perdu notre jetpack à cause de Borek le champion qui nous l'a arraché. Bon, ça c'est pas grave. Bon, heureusement, il nous reste donc nos deux pistolets blaster mandalorien, notre lance-câble mandalorien pour attacher les criminels qu'on devra livrer à la justice vivants. Parce que oui, en plus des criminels de l'histoire principale, eh bien il y a également par mission un nombre précis de criminels secondaires à livrer à la justice, alors mort ou vif, hein, ça dépend. Si, parfois vif pour avoir plus de crédit, ou parfois mort, ça dépendra. Donc voilà, alors attendez, je vous montre rapidement. Hop, voilà. Nos flèches empoisonnées, là, comme les appelle Obi-Wan dans l'épisode 2, l'attaque des clones. Donc les flèches empoisonnées. Et donc notre antenne sur notre casque mandalorien pour justement analyser le profil d'un criminel pour voir donc un peu qui il est ce qu'il a fait et combien il vaut mort ou vif du coup. Et je peux même analyser je peux même l'utiliser pour regarder des créatures ou des droïdes, parce que oui, il y aura des droïdes recherchés mort ou vif aussi, en plus des personnes humaines ou aliens, on va dire. Enfin bref, voilà tout ça. Bon, alors du coup, donc heureusement que je connais le jeu par cœur, hein, depuis l'époque de la GameCube. Donc alors du coup, on va devoir aller par là. Hop, s'accroupir. Ah oui, évidemment, on a notre donc thermocuteur pour pouvoir ouvrir les endroits comme ceci. Regardez. Hop là, et voilà, c'est bien pratique ça. Alors, ah oui, voilà, c'est par là qu'on doit aller. Allez, hop. Donc voilà, justement, Rosata, notre contact, vient d'expliquer ce que je vous ai expliqué justement à l'instant. Les chasses primées sont visibles dans le menu pause. Alors vous voyez par exemple là, nos objectifs principaux qu'on vient de remplir, c'était tuer le Borek, sortez de l'arène de combat et sortez de l'arène et poursuivez Miko. Et bien maintenant par exemple, on a un objectif optionnel, donc secondaire, prime secondaire 0 sur 5. Alors par exemple, regardez, je vais vous montrer. Là vous voyez, il y a un criminel malastarien qui est recherché justement, regardez. Recherché mort ou vif, Burbaker type, vivant 1000 crédits, mort 500 crédits, espèce grain, sexe masculin, complice connu, trafiquant d'armes, contrebandier, dernière position connue, station Outland, information recherchée pour la destruction de plusieurs bâtiments officiels de la République, client, force de sécurité de la République. Donc vous voyez, du coup là par exemple, je vais appuyer donc je crois sur triangle, ah oui non carré, ah oui non peut-être pas, attendez croix, rond. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mince, pardon. Ah oui, R2 peut-être. Ah oui, voilà, cible marquée. Là, du coup, ça veut dire que là, je le traque. Et vous voyez, par exemple, je vais utiliser mon lance-câble mandalorien. Regardez. Voilà. Là, je l'ai attaché. Et du coup, hop. Et voilà, livré à la justice, prime réclamée, 1000 crédits. Et ça, vous pouvez le faire avec un nombre précis de criminels par mission. Vous voyez, c'est quand même super sympa. Et honnêtement, je préfère ce système à celui en mode full infiltration H24 de Outlaws. Vous voyez, c'est quand même plus sympa, c'est plus cool. Hein. Bon, allez, on continue. Allez, on se concentre. Allez, immersion totale.
Alors vous voyez, ça c'était des pirates 32, enfin des pirates, je veux dire des contre, enfin je sais pas si c'est des pirates ou des contrebandiers, on va dire des mercenaires. Ça c'était des mercenaires 32chan, vous savez les hommes lézards de Star Wars. Alors tiens, c'est vrai que ça depuis le temps que je vois ça, une épée et un bouclier, alors ça je sais pas si c'est des armes 32chan ou si c'est une ref, un autre jeu ou un film, mais à chaque fois je vois ça, je comprends jamais pourquoi il y a ça là, c'est bizarre. Bon, enfin bref, allez, on continue, on avance. Tu es près de la zone d'entraînement des combattants. Tu vas pouvoir t'amuser un peu si t'en as envie. Alors vous voyez ces gros cochons là, ces gros sangliers qui courent et qui se battent avec des haches. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en dehors des fans de Star Wars hardcore comme moi évidemment, ce sont des gardes gamoréens qui servent généralement dans le cartel des Hutt, hein, qui servent Jabba le Hutt. Voilà, mais là il y en a ici sur la station Outland. Voilà, c'est possible. Ça me choque pas plus que ça. Enfin bref, allez on avance. Tenez, là par exemple, je vais vous montrer comment on utilise une flèche empoisonnée mandalorienne. Regardez, parce que ici, je me souviens, je crois qu'il y a un mercenaire rodien qui est recherché mort ou vif. Donc là, c'est pas lui, donc lui, je peux le tuer. Donc regardez, par exemple. Alors attendez, j'essaye de bien le viser. Alors attention, hop. Voilà. Donc lui, il est mort. Alors, c'est pas lui non plus. Il me semble qu'il y en a bien un qui est recherché mort ou vif, hein. Alors lui, on va le tuer. Hop, voilà. Il me semble qu'il y en a un qui recherchait mort ou vif. Hein. Attendez, j'essaye de le trouver. Alors les deux là, ils sont morts. Voyez, ouais, ici, il me semble que il va y avoir aussi des mercenaires 32chan et gamoréens. Alors attendez, j'essaye de voir. Ah bah tiens. Ah voilà, c'est lui, recherché mort ou vif, braco, gaz, vivant 1000 crédits, mort 500 crédits, espèce, rodien, sexe, masculin, complice connu, Groff Hogue, dernière position connue, Coruscante, information recherchée pour le meurtre de plusieurs chefs d'entreprise locaux, clients, force de sécurité de la République. Et bah allez hop. Voilà. Merde, mince. Ils vont me blesser. Ah non, c'est bon. Bon, du coup, je les livre à la justice. Du coup, prime réclamée, 1000 crédits. Ça, c'est parfait. Tu t'en sortiras pas vivant. Ah ouais, je m'en sortirai pas vivant. Et bah, c'est ce qu'on va voir, ça. Venez vers moi, là, les hommes lézards. Venez, je vous attends. Tu t'en sortiras pas vivant. Prenez ça. Et ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous disiez déjà? Je m'en sortirai pas vivant. Bah, je suis encore vivant. Et avec toute ma vie au maximum. Bon alors voyons voir, il me semble qu'il y a d'autres mercenaires par ici, parce que, alors attendez, on va monter, hein, mais d'abord, on s'occupe de tout le monde ici. Oh oh, des gamoriens, avec des haches.
Et en plus, eux, avec leur hache, ils font pas mal de dégâts, hein, donc c'est pour ça que j'essaye de pas m'approcher d'eux. Oh purée, oh purée, oh purée. Voilà, oh le bruit qu'ils font quand ils meurent. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est fait. Allez, on continue. Tiens, voyons voir, est-ce qu'il y en a un autre ici? Non, c'est bon, ok, allez, on peut revenir par là. On va monter du coup, parce que je me souviens du chemin, hein, je le connais par cœur. Là, faut qu'on monte. Alors, hop, hop. Allez, c'est parti, un peu de parcours. Heureusement, on est un chasseur de primes assez agile. Hop, voilà. Hop, voilà. Et là, alors, tiens, là, tenez, je sais plus si... Là, il y a un criminel, s'il y en a un qui est recherché. Enfin, remarquez un peu de monde, donc je pense que là, on va juste tirer et tous les tuer. Soleil, un peu de monde, ça va être compliqué d'en capturer un. Mince, là j'ai sauté trop haut. Bon, ils nous ont quand même un petit peu blessés, donc on va juste se soigner. Je pense que... Ah bah attendez, je me souviens, oui, il y avait un gros bac... parce que j'allais prendre le petit tube de Bacta, là. Mais non, vous savez quoi? On va prendre le gros bac de Bacta qui était là. Alors oui, le Bacta, vous savez, c'est là les espèces tubes d'eau bleue dans Star Wars, là, qui permettent de soigner, justement, de se sentir mieux. Donc du coup, on l'a pris, voilà. Allez, on va remonter, du coup. Alors, attendez. Hop, on refait le petit parcours, là, en hauteur. Hop. Allez, on saute. On joue à saute-mouton. Voilà, allez, on continue. Ah oui, tenez, vous vous souvenez là de ces espèces de chiens mi-chiens, mi-warg là dans Star Wars? Bah c'est les espèces de chiens là qui sont utilisés par les gardes de Jabba ou par les pirates Weequay là, ceux d'Hondo Onaka. Enfin, ils sont assez agressifs, hein. Et puis alors ceux-là, bon, ils sont pas recherchés évidemment. Donc allez, on va les tuer du coup. Allez hop. Ah oui, c'est vrai, là on est rentré dans la zone d'entraînement des mercenaires de Miko, justement. Et là je crois qu'il y en a un ou deux qui sont recherchés, donc on va essayer de les capturer, enfin de les livrer à la justice. Je crois, si je ne m'abuse, que c'est... Alors attendez, c'est un des deux qui est là, je crois. Ah voilà, attendez. Hop. Recherché mort ou vif, obese, Rami, vivant, 1000 crédits, mort, 500 crédits, espèce grande, sexe masculin, complice connu aucun, dernière position connue, station Outland, information, bon là je vois pas à cause des hologrammes bleus. Alors du coup attendez, on va s'occuper de tuer les autres et lui on va le capturer. Mince, je me suis loupé, attendez. Hop, voilà, lui il est mort. Bon du coup j'ai gâché une fléchette empoisonnée. Hop. Allez, c'est parti.
On va capturer Obi's Rami, là. Obi-Obé-Ramé, là, je sais pas comment ça se prononce. Mince, attendez. Aïe, aïe, aïe. Hop, voilà, prime réclamée, 1000 crédits, c'est parfait. Allez, on tue les autres. Alors du coup, niveau terminé, chapitre 1, mort ou vif, Miko, l'arène de combat. Durée, la mission nous aura pris 20 minutes, on a tué 39 ennemis, 39 mercenaires, donc qui n'étaient pas recherchés, malheureusement. Civil tué 0, heureusement, c'est parfait. Prime secondaire au total, 3. Et oui, on a capturé et livré 3 criminels recherchés vivants plus chers, hein, évidemment, à la justice. Donc total des gains, 3000 crédits. C'est pas mal. Et secret trouvé, on a trouvé là l'espèce de secret en hologramme là doré. Donc voili voilou voilà. Allez, je fais juste... attendez, quoi que... Ouais, je vais faire continuer pour que vous ayez au moins la cinématique d'après. Puis on se retrouvera, bah, on se retrouvera pour la suite de la traque de Miko. Et bah dans le prochain épisode sur Bounty Hunter, un jeu de chasseurs de primes, de criminels, dans la galaxie lointaine, très lointaine. Allez. Immersion totale, et à très bientôt, Django. Chapitre 1, mort ou vif, Miko, le bazar, autour de l'arène de combat, l'animation bat son plein dans un dédale de ruelles, les marchands pullulent, les mercenaires cherchent des contrats et les autres tentent péniblement de se faire une place dans l'univers lointain de la galaxie lointaine, très lointaine. Ouais Miko, vous êtes un chasseur de primes, c'est ça? Je peux peut-être vous dire où il est contre un peu d'argent. Tu me conduis à lui et je t'épargnerai peut-être. Ok, tu calmes.
On va y aller. Mais ils me tueront s'ils me voient avec vous. Vous pourriez me suivre à une distance raisonnable. Avance. Oh!